Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes samedi 7, il est 15h51 et aujourd'hui c'est moi qui conduis, donc il y a ma mère, ma soeur et mon père, c'est mes deux enfants, et elle c'est ma femme. Donc voilà, donc aujourd'hui, bah ouais. Donc aujourd'hui on va aller au Paris Nord, à Aulnay-sous-Bois, et voilà, bah on va peut-être aller au cinéma et à Primark. Maman, il n'y a plus d'essence, on fait quoi? On va mettre l'essence. Donc on va mettre de l'essence, à tout à l'heure. Donc là nous sommes où, Amel? On est à Aéroville. Tout à l'heure on est allé à Paris Nord mais il y avait trop de monde. Bah là on est à Marks & Spencer. Et puis je sais pas, niveau bouffe. C'est la journée des femmes. Ah, c'est la journée des femmes. Oh bah du chocolat. Oh wow. Regarde le prix aussi. Énorme. Je crois qu'on va reculer doucement. Regardez ce qu'il y a. Les cookies ici, je crois qu'ils sont trop bons. Et il y a ça aussi. Ça, ça a l'air super bon ça. Mais c'est un peu mis à l'air, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, quand même. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas. Bon, tu fais une tenue du jour. Alors, j'ai un manteau qui vient de chez Shinsei. Encore est-ce que... Bah, donne. Mais papa, tu vas en prendre combien? Un petit pull qui vient de chez Hi. Qui vient de chez... Tu sais les chaussures blanches là. Tie and dye. Ouais, tie and dye. Regardez mes nouvelles bagues, je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai une jupe patineuse qui vient de chez... Regardez ses jambes par rapport au monde. Oh putain. J'ai un collant qui vient de je ne sais où, des chaussettes qui viennent de chez Les Jolies et des chaussures qui viennent de chez Van Wyden. C'est quoi? C'est de la sauce? Ouais. Dans la salade. Ah ouais. Oh, ça a l'air gras, ouais. Non. J'ai pris ça. Ouais, ça a l'air bon. C'est quoi ça? C'est la viande. Ils sont tout mous, j'aime trop. Vu qu'on a un truc au fromage, est-ce que tu veux? Bah prends. Vas-y. Bah vas-y. C'est bon, t'es contente, t'as à manger? Oui. Wow. Bon. Choisir la saveur, choisir la garniture. On regarde un peu le concept en fait. C'est trop cool. Donc en fait, vous prenez le... Attends, t'as vanille, de... ça a l'air bon. Vanille, prends juste vanille. Mets sur. Comment... Toi, tu seras pas glacier, hein. Alors en fait, il y a des garnitures. Je sais pas, comme tu veux. Attends, après, c'est au point. Eh, mais après, je vais faire une photo Insta. Hein. Je fais une photo Instagram, alors tu fais ça propre. Donc, on a pris de la glace. Et ouais, grave, ça a coûté 10 balles la glace. Il y a de la vanille de Madagascar et on a rajouté plein de trucs pour que ça fasse beau. Mais en fait, plus tu rajoutes, plus c'est cher. Donc voilà, donc, j'ai fait une belle photo Insta, je pense. J'ai regardé. Regardez la photo, j'ai fait cette photo. Je sais pas si ça va le faire, mais bon. Ensuite, après, il y a la dame là, elle a planté sa cuillère dedans, c'était trop moche. J'avais trop le seum. Donc je pense que je vais mettre elle, c'est plus joli. Voilà. Voilà. Là pour l'instant, on garde les affaires. Et on a mangé la glace qui était très bonne. Très très bonne, mais qui était un peu chère. Enfin, très chère. C'était genre 10 euros en fait, c'est du yaourt. Enfin du yaourt glacé, c'est de la glace quoi. C'est plus cher que le Häagen-Dazs et le truc. Donc c'est Chillbox. Voilà. Donc Amélie est toujours en train de bouffer. J'ai un chouïa dans la bouche. Le cookie au chocolat blanc. Ce soir, on va peut-être au restaurant, je sais pas où encore, mais on va manger au restaurant. Mais c'était là où on avait vu les Gore et Krishka. Ouais. Là, il est 17h34. Donc, voilà. J'ai posté ma photo là. Elle est grave cool. J'aime bien les couleurs qu'il y a en fait. Bah, pour 10 euros, j'ai envie de vous dire, ça mérite une photo Instagram. Hein.
Donc voilà, je sais pas où on va aller tout à l'heure, on va encore se promener et tout. Là il est 18h31 et on est au paradis du fruit. On va commander, bah, on va manger en fait, on va dîner. Donc on a pris 3 menus comme ça pour ma mère, mon père et moi. Et Amélie elle a pris ça. Et on a choisi, j'ai marqué parce que sinon j'allais oublier. Les boissons. Ah oui, les boissons, je sais pas. Donc tout à l'heure on a rencontré des abonnés qui sont venus nous parler. Et c'est trop mignon. Si vous passez par là, bah, on vous fait plein de bisous. Inès et sa sœur. Et moi. Et ton maman. Enfin deux spies quoi. Ah bon? Alors je me fais un show tout gratuit. Donc abonnez-vous à moi sur Instagram s'il vous plaît. Ça. Prends mes abonnés. Parce que en fait Astrid elle va me dépasser et j'ai pas envie. Donc voilà. Après vous avez ma page Facebook qui s'appelle AméliCara01. Ensuite vous avez mon Twitter qui s'appelle AméliCara011 et non pas AméliCara01. Oui, AméliCara011 et non pas AméliCara01. Et ça fait la macro. C'est vrai? Ouais. Ensuite, vous avez mon YouTube qui est AméliCara01. Enfin bref, là, j'ai pas cherché parce que j'ai la flemme. Et puis voilà quoi, donc abonnez-vous sinon. Alors, c'est quoi? C'est un fruit mixé. C'est un smoothie en fait. C'est un smoothie. Mangue, pêche. Ouais, ça a l'air gravement. En fait, c'est que du fruit. Je vais vous dire mon avis. C'est ouf quand même, vas-y. C'est frais. Pourquoi tu fais pas, pourquoi t'as pas d'émotion, c'est-à-dire que c'est pas bon? Ça me donne envie de chier. Si c'est grave, mais c'est super frit. Donc moi j'ai pris ça. Il y a du saumon, du camembert frit. Ça c'est au chef je crois. La salade, la sauce. Je sais pas, j'ai pris tomate mozzarella et du saumon comme ça. Donc on a terminé de manger, comme vous pouvez voir c'était blindé, il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs c'est le seul restaurant je crois qui est blindé, c'est trop bizarre. Donc voilà, on a bien graillé. Si je saute là, je peux me casser un truc. Bah ça dépend comment tu tombes en fait. Je pense qu'il y a moyen que tu te casses pas la gueule. Non. Si tu tombes par exemple sur ça là. Ouais. Le ventre sur ça là, le petit truc là c'est mort. Sur le dos c'est mort, sur la jambe c'est mort, sur le bras c'est mort, tout c'est mort. Les squelettes, Donc voilà. Elle a un cinéma, on n'a jamais testé le cinéma. En fait, de base, on devait aller à. Comment ça s'appelle? Le centre commercial. Au Paris Nord. Mais il y avait vraiment trop de monde et les gens, ils avaient l'air excités là-bas, donc ça fait un peu peur. Du coup, on voulait aller au ciné et aujourd'hui, on n'est pas allé au ciné finalement. Donc il y a un cinéma ici, comme vous pouvez voir. Il s'appelle Europacorp. Et apparemment, ce cinéma-là, en fait, il y a, vous savez, les canapés pour vous asseoir et pour regarder, pour se coucher, pour regarder le cinéma. C'est-à-dire, ça a l'air plutôt pas mal, mais c'est 25€ la place, je crois. Mais on va retourner dans la voiture. Je vais devoir conduire encore pendant très longtemps, ouais, une heure. Ça va me fatiguer, mais bon. Voilà, c'était plutôt cool. Et demain, on va aller chercher Amandine à l'aéroport d'Orly-Sud. Madame, je répète, Madame Ville, et demander à la réception. Merci. Et je sais pas si je vais faire un vlog. Je pense que je vais faire un vlog demain, mais je sais pas, je verrai. Alors, elle va nous faire un petit outfit of the day. Ouais, je suis désolée si mon haut est mal mis, mais il est tellement long que je sais pas comment le mettre. Voilà. Donc, un haut de deviner d'où ça vient. Un collier, attends je zoome, bouge pas. Ah, collier né joli. Un très beau collier. J'ai reçu avant-hier matin. Ça fait Bahamas Girl. Un pantalon. Un pantalon, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. En fait ce jean il est trop bien parce que d'habitude en fait je mets jamais de jean. Et celui-là comme il est troué, il est moins serré. Et du coup je me sens mieux tu vois. Donc voilà. Et mes chaussures, je sais plus où je les ai. Mais j'ai pas de chaussettes. J'espère que mes pieds ne vont pas trop transpirer, avoir des arômes naturels. Et ton sac? Bague. Et mes bagues, je vous ai montré tout à l'heure, mais Shop Dixie, marché et Shop Dixie. Voilà. C'est mes nouveaux trucs préférés.
Elle a tout en argent, c'est tout en argent. Ouais, je préfère l'argent, toi tu préfères l'or, non? Hein? Tu préfères l'or, non? T'as des bagues. N'importe. Moi je préfère. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop cool sur la vidéo. Finalement c'est mon père qui va conduire. Comme ça je retourne à la base, comme un enfant. Et ça redevient ma soeur. C'est parti pour un long chemin. Oh! Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Que se passe-t-il? Il y a un accident, je crois. Arrête, papa, ça te dit. Oh mon dieu, non. Donc, nous sommes enfin rentrés tout à l'heure sur la route. Il y avait un accident. Enfin, c'était pas un accident de voiture parce qu'il n'y avait pas de voiture et tout. En fait, il y avait plein de flics et tout sur la route. Du coup, la circulation a été ralentie. Et ensuite, j'ai regardé par ma fenêtre. Genre, ça avançait super doucement. Je vois des voitures de police, des voitures d'ambulance, je vois des personnes avec leurs gilets jaunes. Ensuite, je vois des chaussures par terre. Et plus ça avançait, et après j'ai vu du sang, genre une grosse flaque de sang. Et au bout, il y avait un cadavre. Oh, c'était horrible. Et la personne, elle était morte. C'était un homme, il avait la tête explosée, mais genre... C'est vraiment comme on voit dans les films, enfin pas dans les films, mais... Voici dans les films ou dans les trucs de guerre et tout, on voit la tête exploser, on dirait que le mec s'était pris genre 5 balles dans la tronche. C'était vraiment horrible. Donc c'est pour ça que je dis et je répète, avant de traverser, bon déjà on traverse pas sur l'autoroute ou des nationales ou je sais pas quoi, mais avant de traverser, même si c'est un passage piéton, regardez tout le temps. Parce que je vois souvent à chaque fois que je conduis, il y a des jeunes, enfin des jeunes, ouais, il y a... Même, il n'y a même pas que des jeunes, il y a aussi des adultes qui traversent sans regarder avec leur casque et tout. Je roule, je regarde, moi je regarde assez souvent. Il y en a qui traversent même pas sur les passages piétons, genre c'est sur une route à, je sais pas, 80, 50, 80, et ensuite on voit des gens qui traversent comme ça et qui regardent pas. Et du coup, une fois j'ai failli faire un accident, justement parce que j'ai freiné d'un coup et il y avait un camion derrière qui allait me rentrer dedans. Et du coup, il a dévié sur le côté, enfin bref. Donc faites attention quand... vous traversez, mais bon, voilà. Donc là je vais aller chercher Gaëtan, il est quelle heure? Il est 20h43, je vais y aller parce que je vais être en retard sinon. Je me suis changée, j'ai mis une nouvelle veste, enfin c'est un bomber, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je suis toujours pareil, sauf que j'ai changé la veste parce que cette veste là elle est trop confortable en fait. Elle est on dirait en satin, non pas satin, je sais pas, on dirait ouais une sorte de satin. Et c'est assez court, je mets pas des trucs courts d'habitude, mais là j'aime bien, c'est un peu matelassé. Et j'aime pas le matelassé non plus, mais je trouvais que cette veste elle était super bien. Donc voilà, je la laisse ouverte et en plus c'est super large. À l'intérieur c'est orange, je sais pas, je trouve ça super confortable. Et il y avait aussi en vert, donc je pense que j'ai commandé en vert aussi, j'aime bien. Donc voilà, là j'ai mon chignon n'importe comment, je suis maquillée n'importe comment aussi. Enfin bref, je sais pas si je vais continuer à filmer tout à l'heure parce que je crois que le vlog va être terminé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter surtout, j'aime bien voir vos commentaires. Même si des fois je n'y réponds pas, je les lis tous, enfin du moins quand c'est la dernière vidéo j'arrive à tout lire. J'essaye de répondre un maximum même si des fois on n'a pas trop le temps. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook, je dis souvent ce que je fais et tout, comme ça vous pouvez venir parler avec moi. Je vous retrouve du coup pour le prochain vlog, ça sera un vlog sûrement à Orly parce que je vais aller chercher ma soeur Amandine à l'aéroport de Orly parce qu'elle rentre d'Italie. Et voilà, j'espère que tout ira bien pour elle. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour le prochain vlog ou la prochaine vidéo. Bye !